Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais faire un test, vous savez, sur les moules Stamperia. Ça fait quelques temps que je les ai achetés. Et je crois que je les avais achetés, si, à ma dernière commande sur Avepassion. Et du coup, je voulais les tester. Ça fait un moment que j'ai envie, voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Je ne connais pas. D'accord? Donc, soyez indulgents. Voilà, j'ai mis un bout de carton pour protéger mon plan de travail. Donc, bien sûr, je vais... Désolée, ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. Désolée pour le vernis aussi. Mais bon, là, je vais le refaire. Mais après avoir fait la patrouille. Hein. Donc, j'ai craqué sur celui-là. Et le bustier. Je vais faire aussi celui-là. Celui-là et celui-là avec le papillon. Voilà. Et à y être, je vais essayer de faire celui-là. J'en avais commandé un autre, mais franchement, je ne sais pas où il est encore. Il faut que je le retrouve. Je vais faire celui-là aussi. Mais en pâte d'action. Voilà. Donc, on va commencer par cela, sachant qu'apparemment, il faut 24 heures pour que ça sèche. Voilà. Bien sûr, j'ai même pas eu en fait. Je vous le lis en même temps. Il n'y a pas marqué, mais il me semble que sur le site Stamperia, j'avais vu qu'il fallait 24 heures. Vous savez, ils font des vidéos avec leurs produits et j'avais vu celle-là. Et il y avait marqué qu'il fallait attendre 24 heures. Donc, c'est la cream paste. Hein. Voilà. Donc. On va l'ouvrir. Oui, je l'avais pas ouvert l'autre fois parce que je me disais que peut-être si je pouvais pas le faire de suite, j'avais peur qu'elle sèche. Et comme c'est quand même pas donné, je crois que c'est 6 euros quelque chose. Donc on va y arriver. Je vais aussi essayer de pas m'en mettre partout, ce qui va être assez compliqué pour moi, puisque d'ailleurs j'ai pas pris de lingette. Vous savez qu'en général je m'en fous partout de tout ce qui est peinture, quoi. C'est pas mon truc. J'ai attrapé les lingettes. Ouais, j'ai mon attirail derrière. C'est bien pratique. Donc, je me suis un peu gêné partout déjà. J'ai fait que l'ouvrir, hein, donc je ne vous dis pas. Donc, je vais d'abord prendre le buste. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il en faut beaucoup ou pas. Donc, du coup, là. Ensuite, je vais prendre des spatules. Je ne sais pas, les spatules, j'ai ça. On va essayer avec ça, on va voir. S'il faut le remuer ou pas. Donc elle, alors je vais commencer par le bustier. Alors je pense, enfin moi en tout cas, je vais faire un peu comme je fais quand je fais de la dentelle alimentaire ou quoi. Je vais aller un peu dans tous les sens pour être sûr, et appuyer pour être sûr qu'elle est partout. Vous voyez, je racle bien. À mon avis, on va pas en faire beaucoup avec un pot. Donc là, on racle. Là, si on veut, je suppose, hein, mais non, je testerai et on en reparlera. Je pense qu'on peut faire que remplir comme ça le bustier, par exemple, pour faire que le bustier. Je pense. Je pense que ça doit bien se découper d'après ce que j'ai vu sur, sur le site Stamperia, c'est sur la chaîne YouTube. Ça a l'air quand même pas mal souple. Et du coup, alors là, vous voyez, d'abord, je veux bien remplir le fond. Parce que c'est bête si du coup, derrière c'est plein, mais devant, qu'il y ait des trous.
Donc là, je vais regarder comme ceci. Ouais, ça a l'air bien plein le devant. Bon, alors je vous dis, je fais une pro, hein, donc, ça, je vais couper aussi. Parce qu'en fait, ça m'énerve. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais venir, mais sans trop appuyer. Moi, je ne veux pas le faire très épais. Parce que c'est pour faire des boîtes ou des couvertures d'albums. Donc, je ne veux pas le faire super épais. Et puis, il y a aussi l'économie de la pâte. Hein, parce que du coup, je ne peux pas mettre le pot pour un moulage quand même. Donc, hop. Bon, là, ce que je fais, c'est pas bien hein, d'en mettre sur le bord. Donc, j'essaie d'essuyer un peu. Mais bon. Vous voyez pourquoi j'ai mis un carton dessous, parce que je m'en fous partout à chaque fois. Donc, hop. Yeah. On peut le faire, je pense, aussi avec une carte de crédit, je pense. Et je pense que le mieux, c'est quand même les spatules en métal, pas en plastique comme ça. J'en ai, mais je ne sais pas où elles sont, à l'atelier en bas, dans le bazar. Donc, je fais avec ça. Donc. On y va. On va essayer avec celle-là pour mieux le, pour que ce soit plus droit. J'ai vu aussi là, mais j'attends qu'ils les reçoivent sur avec passion, pardon, qu'il y avait les moules assortis aussi de... Non, celle-là, il va pas. J'aime pas du tout. De... Vous savez, là, la dernière collection, la Stamperia, là, comment il s'appelle? Voyage fantastique? Je sais plus. J'ai pris le gros bloc, là, vous savez, de 22 pages. Et j'ai vu qu'ils avaient le moule et tout aussi. J'ai vu qu'ils en avaient plein. Donc, j'attends. Je vais repasser une commande, là. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos sur Avec Passion, si ça vous intéresse. Comme ça, vous le retrouverez facilement. Donc là, moi, je vais arrêter là. Oh, bien sûr, j'avais dit, j'arrête de le triturer. Mais non, je fais que des bêtises. Donc voilà, là, je vais arrêter. Moi, mon but, c'est que... tout soit recouvert pour que ça se tienne, mais que ce soit pas trop épais. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais c'est pas super épais. Non, par contre, là, je récupère parce qu'il y en a beaucoup trop sur les côtés. Hop. Ça, par contre, je vais le laisser un peu. Voilà. Et donc là, je vais laisser sécher pendant 24 heures. Donc, c'est-à-dire que ça, vous le verrez démouler dans 24 heures. Je vais faire celui-là aussi avec le papillon. Ouf. Je ferai bien celui-là. Non, je vais faire avec la musique. Hop. Donc, ben, pareil. Il faudra que j'en recommande d'ailleurs. Parce que pour le coup... Je pense qu'on n'en fait pas beaucoup. Il devrait vendre des gros pots. Donc là, vous voyez, je vais un peu dans tous les sens. Je fais bien pénétrer la pâte dans les petits trous parce qu'ils sont tellement fins. En plus, c'est moulure que c'est trop beau, quoi. Donc j'espère que je vais les réussir parce que
toute façon, si vous voyez la vidéo demain, c'est que c'est correct. Parce que sinon, je ne la mettrai pas en ligne. Après, il va falloir être indulgent. Ce n'est pas la peine de mettre des pouces en bas. C'est la première fois que je fais ça. Je le fais en direct avec vous. Alors, bon, voilà. Je ne suis pas une pro, n'est-ce pas? Je ne fais que partager avec vous. Donc là, on y va. On fait bien, bien, bien pénétrer partout. Donc, vous voyez, je racle bien. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, maintenant, je vais venir remplir le derrière. Après, on n'est pas obligé de faire toute la plaque. On peut très bien faire que la moitié. On choisit le motif qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est ça qui est bien aussi. C'est que suivant le projet qu'on a, on n'est pas obligé de faire toute la plaque. Donc là, j'appuie pas. Vous voyez, par contre, j'essaye d'égaliser derrière pour que ça se tienne, de faire fait. Vous pouvez le faire épais aussi, si vous voulez. Mais là, moi, mon but, c'est vraiment que ce soit fait et que ça se mélange avec le travail que je ferai, quoi, la création. Donc là. Là, oups, j'en ai trop. Vous voyez. Le but, c'est que ce soit bien rempli. Et après, cette pâte, c'est souple. On peut le faire aussi. Il y a une autre pâte qui existe pour ça. Je voulais la prendre. Je la prendrai peut-être la prochaine fois. De Stamperia. C'est pareil, mais je crois que c'est pasta structure, un truc comme ça. Exprès aussi. Donc, je testerai la prochaine fois parce que, comme vous savez, on ne peut pas tout acheter d'un coup. Quand même pas donné. Donc voilà. Hop. Vous voyez, quand je vous dis que je ne suis pas douée avec tout ça, je vous mens pas. Hop. Et là, pareil, je vais le laisser sécher 24 heures. Moi, je le pose sur un plateau après. Alors, attendez, je me nettoie ça, puis je vous montre. Bon, bref. Je mets sur un plateau comme ça, en bois. C'est un plateau de... de plateau fromage. Excusez-moi. Ainsi, un plateau fromage. Repas... d'un super fromager d'ailleurs de Fronton, je sais pas si ceux qui sont dans le coin là, il est excellent et en plus il est pas cher. Donc voilà. Donc là, moi je vais essayer. Mais alors là, ça va pas le faire. Je vais essayer. Hop. J'avais vu. C'est Stamperia aussi qui faisait ça sur leur chaîne. C'était une qui avait fait avec ça, en fait. Bon, c'était pas la même, hein, c'était pas celle d'Action, mais bon, c'était la pâte qui sèche à l'air Stamperia qui avait fait, en fait, c'était comme une impression. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de faire ça, mais pas la totalité. Ou quoi que je pourrais essayer de faire celui-là. Mais j'aurai jamais assez de... Donc, moi, je le fais avec la pâte d'action, parce que j'ai que ça, du coup. Donc, je vais la malaxer. Alors, par contre, j'aurais dû prévoir un plastique. Et avec un rouleau aussi, ça pourrait être pas mal.
Donc, mais je ne l'ai pas là. Encore un peu. Je vais refermer ça d'ailleurs. Avant que ça sèche. Donc. Ça, je l'ai serré sur. Quand je pourrais. Sur une boîte ou un album ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et donc là, en fait, après, elle venait appuyer. Alors. Bah, en fait, elle collait hein, carrément. Bon, moi, je me mets debout. Moi, je pars du principe qu'on devrait le faire avec un rouleau, mais j'en ai pas. Si je prends mon rouleau à pâtisserie, après, il sera fichu. Donc, voilà. Et là. Est-ce que ça a marché? Ouais, c'est pas mal. Hein. Regardez ce que ça donne. C'est sympa. Donc là, pardon. Bien sûr, là, je voulais. Je l'ai fait un peu à l'arrache. Hein. Donc par contre, maintenant. Que je vais laisser sécher comme ça. Faudrait pareil, mais alors avec une spatule, ce serait quand même mieux. Équipez-vous, hein, faites pas comme moi, faire n'importe quoi. Ce sera quand même mieux. Parce que là, du coup, ça ressemble pas à grand chose. Ou sur du plastique hein. Si vous les préparez avant comme moi là, faites le sur du plastique directement et voilà, je l'ai cassé. Bon, c'est pas grave, ce sont là c'est qu'un test et là hop, et je voulais surtout cette partie là, donc ça je vais le couper par contre parce que ça ne sert à rien. Et vous voyez, là, c'est bien épais quand même. Je l'ai fait un peu trop épais. Excusez-moi. Mais, j'ai la gorge très, très sèche en ce moment. Donc, je vais laisser sécher aussi, hop, sur mon plateau. Bien sûr, tout ça, je le récupère. Et donc là, on va essayer les moules Stamperia. Alors, j'en avais un aussi avec des cadres et tout. Je sais pas où il est. Donc, là, pareil, je fais avec la pâte action. C'est là, hein, qu'on trouve au rayon enfant. Mais, donc, là, je viens appuyer. Alors là aussi, moi j'aime bien m'aider avec une spatule. C'était pas celle-là quand même que j'avais pris. Bon, pour appuyer bien au fond, pareil. Vous voyez, que ça prenne bien le dessin. Bon, pareil, c'est quand même mieux ce en métal. Mais je sais pas où je les ai mis. C'est bien dommage parce qu'ils sont bien pratiques. Et donc, j'appuie. Et là, je viens lisser derrière. Que ce soit bien. Alors celle-là aussi, c'est un peu long à sécher. Donc c'est pareil. Voilà ce que ça donne.
Vous verrez le résultat demain, peut-être même après-demain. Donc là, j'appuie délicatement, vous voyez, je le fais tomber tout seul. Voilà, ce que ça donne. Moi, je les sors du moule parce que j'ai remarqué quand j'avais fait des tests que c'est beaucoup, ça sèche pas du tout quand ça reste dans le moule. Donc c'est pour ça que moi je les enlève. Mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les laisser dans le moule. Donc je malaxe. J'en prends une bonne quantité. Tout dépend bien sûr de votre moule. Et là, je viens appuyer. Faire rentrer la pâte bien partout. Mais bah après ça, je suis sûre que vous l'avez vu partout sur YouTube. Je ne dois pas être la seule à le faire. J'appuie bien partout. Moi, j'aime bien vérifier derrière ce que ça donne. Surtout quand il y a des détails. Donc, j'appuie. C'est peut-être avec celle-là que je faisais. Non, c'était avec celle en bois que je faisais. Ah, en métal que je faisais. Donc là, vous voyez, j'enlève en même temps le surplus. Donc là, et là, je viens bien glisser derrière. Là, j'enlève parce que je vois qu'il y en a trop, donc avec le doigt, je l'enlève. Donc voilà, et là, pareil, on va essayer de le faire tomber. Vous voyez, j'appuie, mais pas très fort non plus. On y va délicatement, voir s'il veut bien tomber. Voilà, vous voyez, je l'aide en fait. Et voilà ce que ça donne. Pareil, on met de côté. Voilà ce que... Je vais les faire les autres hors caméra. Vous n'avez pas besoin de tout voir. C'est le même principe. Je voulais essayer avec vous, voir si, si comme ça, ça passait là-dessus aussi. Donc, on va voir. Mais je doute, là, franchement. Il faudrait peut-être que je la rende plus liquide. Voyons si ça peut aller avec ça. Ah, ça pourrait. Non. Ah, ça pourrait. Avec le matériel qui va bien. Bon, là, je pense pas avec ça, mais je pense qu'on peut faire des dessins. Voyez là, en appuyant bien. Je pense que ça pourrait le faire. Bien sûr, en allant dans tous les sens. Hein. Pas mal quand même ça. Donc là, hop, on appuie. Voyons. Si j'essaye d'en laisser une partie quand même qui se voit. Ça, c'est pas mal. Je crois que ça peut le faire aussi. Bon, par contre, je pense pas que ce soit souple après. Ouais.
Ça me plaît bien en fait. Bon, après, voilà, je pense pas que ça fasse le même résultat que la pâte Stamperia, parce que forcément, ça n'a pas du tout les mêmes effets au départ. Parce que là, nous, c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Alors que la pâte de Stamperia, c'est fait exprès. Et puis, on peut. C'est souple, quoi. C'est fait. Je crois que c'est de la fibre qu'il y a dedans, il me semble que j'avais vu. Mais je pense que ça, c'est pas mal. Surtout si on a besoin et qu'on n'a pas de, on a plus de pâte Stamperia, là. Pâte pasta. Cream paste. Pasta. Hop. Bon, c'est un peu plus long par contre. Il faut appuyer. Mais moi, je pense que. On verra hein, quand ce sera sec. Forcément, on ne pourra voir ça que quand ce sera sec. Donc j'appuie bien parce que là je veux qu'il y en ait au fond, hein, que ça rentre bien au fond. Mais ça fait des muscles. Bien sûr, vous pouvez avancer. Là, c'est en direct. Enfin, je ne coupe pas. Donc, en fait, voilà. C'est, je vais en rajouter un peu. C'est pour ça que, du coup, des fois, mes vidéos sont très longues. Parce qu'en fait, je ne coupe pas. Voilà ce que ça donne. Là, ça permet de bien voir si on en a bien mis partout. Donc là, hop, je continue, moi. Parce que pour moi, il n'y en a pas assez. Ça, hop. Je coupe. Parce que je le veux fin quand même, je le veux pas trop épais. Donc du coup, hop. Après là c'est pareil, l'épaisseur c'est vous qui voyez pourquoi vous voulez le faire. Si j'ai le temps, je pense que du coup je ferai une boîte ou quelque chose avec en faisant ça là. Mais bon, beaucoup moins épais hein, quand même. Donc là, le problème, c'est que plus je touche, plus je fais n'importe quoi. Mais bon. Hop. Et je persiste, faites-le plutôt avec des spatules en métal. Ce sera quand même mieux. Donc ça, hop, je l'enlève. Hop. Là, hop. Donc voilà. Là, tout est bien rempli. Par contre, je pense que je vais laisser sécher dans le moule. Hein. On ne va pas tenter. Là, pour le coup, on va laisser sécher, même si ça prend 2 jours. C'est pas grave. Mais au moins, prendre bien, que je puisse le démouler sans le casser. Vous voyez, là, c'est un peu trop épais. Donc, du coup, je viens racler. Bon, voilà. Donc, ça, je le mets avec les autres à sécher. Hop. Non mais écoutez, je vais arrêter là parce que je pense que vous avez vu le plus gros. Moi, je vais continuer à faire quelques moules. Puis on se retrouve après ben, pour la suite. Donc sur 22 haines en fait. Hein, mais je le mettrai à la suite les vidéos. Donc enfin, je vais essayer. Parce que là, je vois, je suis déjà à 30 minutes. Je vous dis donc à tout à l'heure pour vous, mais à demain en fait, au bout de 24 heures. À plus.
Oui, non, mais voilà, en fait, je voulais essayer, vous savez, avec ce que je me sers moi comme pâte à structure. Enfin, même si je pense que il vaut mieux la vraie pâte à structure. Mais je voulais quand même tester ça, s'il n'est pas trop bouché. Ouais, celui-là, hop, on va voir avec l'autre. Si j'en ai assez. Donc, ben, pareil, je viens en mettre. Et donc là, rebelote. On vient mettre partout. Là, j'ai pris les genres de volutes avec des fleurs. Donc, j'en mets partout au départ. J'ai jamais essayé, franchement, je sais pas du tout si ça va marcher ou pas. J'espère juste que du coup ça m'abîmera pas mon moule si ça marche pas. Parce que j'aurai un peu les boules quand même, même s'ils sont pas très chers. Voilà, hein. Donc là, et je pense que par contre ça ce sera dur comme pâte. Ben, je pense, hein, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais je pense pas que ce soit très souple. Hein. À mon avis, ce sera même un peu cassant, peut-être. Donc, à voir. Hein. C'est pour ça qu'on est là, pour tester. Donc, en fait, je teste avec, un peu avec tout ce que j'ai. Donc, pareil, on y va doucement. Là, je ramène. Vous voyez, je suis concentrée quand même. Donc là, voilà. Là, je fais à peine un peu plus épais quand même qu'avec les autres. Parce que là, je suis vraiment pas sûre de mon coup. Donc, c'est pour ça. À tester. J'espère juste, voilà, que le moule va pas s'abîmer, que je pourrai démouler. Donc voilà. Là, il y a un petit trou. J'essaye que ce soit le plus lisse possible. D'accord. Donc voilà. Là. Il y a des trous là. Donc, je viens rappuyer là, parce que je vois qu'il y a des trous en fait. Sur les fleurs derrière. Voilà, c'est pour ça que moi je vous dis regardez toujours derrière au cas où que tout est bien rempli, qu'il n'y ait pas de trous. Ce serait dommage franchement qu'il y ait des trous. Donc, je vais vérifier avant de continuer. Ouais, là ça fait des trous. Donc là c'est la pâte qui fait ça. Donc déjà ça fait des trous. Pour commencer, je sais pas si. Que ça va donner après, mais bon, déjà ce sera moins net qu'avec l'autre pâte, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Je vais arrêter de le toucher là. Sais pas si vous le voyez, il y a des petits trous en fait, et ça, ben, ça c'est la pâte qui fait ça. Voilà, donc du coup. Du coup, voilà quoi. Bon, mais on se retrouve demain pour la suite alors.